Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur le spot et avant d'aller rouler, on va parler protection. Donc avec les jeans Overlap, donc qui me suivent depuis quelques années. En fait je vais vous parler de ça parce que je trouve que c'est un produit qui est indispensable, que ce soit dans le stunt ou dans le milieu de la moto, parce qu'il y a plusieurs années, au tout début que je commençais le stunt, je roulais avec juste des petits jeans, les petits jeans de ville là. Et malheureusement en fait je me suis retournée en wheeling et c'était entre 90 et 100 km/h. Et avec mon petit jean, eh bien j'ai glissé sur plusieurs mètres et je me suis retrouvée en fait avec le jean tout troué sur les fesses et donc plein de brûlures, plein d'égratignures. Le jean n'a pas tenu la route du tout. Je peux vous dire que du coup même la culotte a enlevé, la pince à épiler sur les fesses parce que c'était tout brûlé, c'était pas très agréable. Donc ça m'a bien servi de leçon. Deux semaines après j'avais un chaud donc fallait que je reprenne la confiance. Je me suis dit il va falloir trouver une solution. Donc la première solution que j'ai trouvée c'est acheter un jean avec du Kevlar. Et donc j'ai trouvé ce jean Overlap. Voilà, je voulais vous présenter et en parler un petit peu et voir un petit peu les avantages que ça peut avoir. Donc en fait le modèle que je vais vous présenter c'est le Imola Dirt pour les femmes, donc de chez Overlap. Et en fait ce que vous pouvez voir c'est qu'il est renforcé en fait en Kevlar sur une majeure partie de la jambe. Et le plus aussi, c'est qu'il y a des protections en fait au niveau des genoux et des hanches et qui sont amovibles. Donc ça, c'est le top. Et aussi, on voit que c'est un peu une coupe slim. Mais finalement, en fait, vu qu'il est stretch, on est super à l'aise dedans. Assez parlé, on va tester ça. Et pour l'occasion, j'ai pris la drifteuse qui sort de sa toute nouvelle déco de chez Cobrin Warzone. Donc c'est parti!